C'est pourquoi tes gens là, ils sont venus là, c'est pourquoi quoi? Parce qu'elle provoque des accidents à Abidjan. Tu vois? Donc elle a une confrérie. Elle a une confrérie de grands sorciers. Donc la nuit là, la confrérie est venue détruire. Ils voulaient forcément détruire, tuer les gens, ils n'ont pas pu. Mais ils ont gardé un truc comme ça. Quand je rentre, ça puisse m'attaquer de loin. Et ça, je suis habitué à ça. Et à partir de 1h du matin, je me suis réveillé. J'étais en pleine prière. Dans le rêve, Dieu me réveille pour dire qu'il y a une attaque mystique au niveau du centre. Et donc, j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit. J'ai commencé à me reposer à partir de 4h. Et puis, je suis réveillé en sursaut. Parce que je voyais ce qui se passait au niveau du centre. Tous les esprits, la sorcellerie d'Agban venaient. Toi, tu sais que les gens sont venus hier pour attaquer, ils voulaient rentrer, n'est-ce pas? Non, je te demande. C'est comment je t'ai parlé de tonton. Hein? Tu sais que tes éléments, comme depuis, je t'ai arraché les aveux, les gens sont venus ici. Ils n'ont pas pu rentrer, mais on est simple, tout ici. Hein? Viens ici. Venez. Comme ça, moi, quand il est venu matin, je vais mourir. Viens. Viens prendre ça. Mets ta main là, maintenant. Alors, Seigneur Jésus, il m'a fait quoi? Non, la vitesse, c'est ça. Allez, mets-toi là. Pauvre. Allez, va. Ouvre ça. Non, habitué à ça, c'est vous qui ne savez pas. Les sorciers, les sapins, je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit. Le don là, Dieu m'a donné. Je vous ai dit ça hier là, c'est pas de l'amusement. Donc hier, je l'ai arraché les aveux là. Parce qu'elle provoque des accidents à Abidjan. Tu vois? Donc elle a une confrérie. Elle a une confrérie de grands sorciers. Donc la nuit là, la confrérie est venue détruire. Ils voulaient forcément détruire, tuer les gens, ils n'ont pas pu. Mais ils ont gardé un truc comme ça. Quand je rentre, ça puisse m'attaquer de loin. Et ça, je suis habitué à ça. Allez, ça, vite, vite. Je suis habitué à ça. Hé, hey, moi, Dieu m'a appelé là. Vous ne pouvez pas me tuer, hein. C'est pourquoi tes gens là, ils sont venus là, c'est pourquoi quoi? Les gens quoi? Les gars disent, pourquoi ils sont venus parler? Hein? Bon, je dis, comme je vais parler là, ils vont venir me fatiguer. Montre ça bien. Ils vont venir me fatiguer ici. Tu es pour le prophète, moi, tu vas dire, hé, faut te dire, les choses sont claires. Toute la nuit là, le Seigneur dit, ne dors pas. Bon, naturellement, j'ai l'habitude de prier la nuit, mais cette fois-ci là, ça m'a secoué. Depuis 1h du matin, je suis en prière. Parce que quelque chose, un événement de terrible va se passer ici. Un homme, quelqu'un allait mourir, quelque chose. Ils n'ont pas pu atteindre ça. Donc c'est le pouvoir, ils sont venus mettre ça ici. Pour que, ils ont bien caché. Or, souvent ils ont l'habitude de mettre devant ici. Souvent ils ont l'habitude. Souvent ils ont l'habitude de mettre devant ici. Mais ils sont allés cacher. Mais tout le coin ici, est tétanisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir. Nous qui avons les dons, nous savons. Voilà, nous savons. C'est le don Géo. Donc quand on te défait sous la terre, c'est comme ça. Vous, chaque jour, chaque année, chaque 3 mois, chaque 4 mois, vous venez quelque chose me tuer. C'est ça la raison d'être mon nom. Hein, le problème là, il n'y a pas des sorciers, ça va. Quand tu attaques la sorcellerie, tu t'attaques chaque jour. Tu attaques tomber 3 bus à Abidjan, c'est ça? Donc toi, ton travail, c'est faire tomber les bus, manger les gens. Comme toi, tu es la grande sorcière. Tu es venu ici, tu as commencé à parler, jusqu'à n'a plus parlé. Tu as, comme je te pose trop de questions, c'est ça? Donc il dit non, le royaume là, quand tu es pris là, c'est le royaume là-bas, ça fait dérange. Donc, faut pas, ça se dérange. Ça les dérange, c'est pas ici de rester, mais c'est ma délivrance. Donc ils ont dit, ils vont venir me tuer. Montre bien la tête là. Il
Là, il fait manger la tête là. Il y a pardon à ça. Si j'étais mort là. Ah, tu es mort là. Donc vous essayez là, c'est pour essayer. Le pouvoir de chat. Vous connaissez là ici, tout le monde connaît le pouvoir de chat. Non, on a 5 ça. Tout le monde connaît le pouvoir de chat, il est dangereux. Le chat loue pas. Et comme ça, toi, tu es venu détruire le centre. C'est ça? Hein? Tu allais venir nous détruire, cadeau. Mettons-nous à l'école mystique, culture de la sorcellerie. C'est par eux, fait-il, vous dites ça, tu ne sais pas. À partir d'aujourd'hui, là, mon pouvoir est terminé au nom de Jésus. Et ça, ça va briser au nom de Jésus. Il n'a plus le pouvoir sur moi. J'ai quitté, vous n'avez plus le pouvoir. C'est toi qui a le pouvoir sur vous, ils ont le pouvoir sur toi. Je quitte à partir d'aujourd'hui dans votre royaume, au nom de Jésus. Je vous appartiens, je vous appartiens à Dieu. Au nom de Jésus, qu'il soit brisé de nous. Si cette déclaration, nous proclamons vaincu le royaume des ténèbres par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Mettez les feux à brûler. Nous voulons consumer les œuvres du diable. Comment ça a brûlé? Voilà. Nous nous consumons les œuvres du diable. Laisse-toi aller. Le royaume de la lumière de Jésus-Christ, c'est le royaume de lumière, et le royaume du diable, c'est le royaume des ténèbres, ne composent pas ensemble. Christ nous a créés, fabriqués au fait, en tant que croyants, en tant que fils du royaume, pour vous nuire. 1 Jean 3, le verset 8. C'est ça que nous dévoilons et nous détruisons les œuvres des ténèbres. Voilà, nous allons détruire ce pouvoir satanique et démoniaque. Voilà. Voilà, nous proclamons la puissance, nous proclamons et en même temps nous mettons le feu dans le camp de la confrérie. Nous détruisons le pouvoir de la confrérie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, que leur pouvoir soit neutralisé, qu'il soit jamais vaincu dans le nom de Jésus. Shalom.